Bon, allez, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça se change. Ça c'est quoi? Ça c'est non, ça c'est... Non. 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 Oui, bah bravo, Seb. Alors, changeons de scène. Hein. Clic bouton. Ah, d'accord, c'est bien, ce soir ça a décidé de pas marcher. Quel bonheur. Bon, bah, on va repasser avec, à l'ancienne. Hein. Allez, double clic. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 25 octobre. J'espère que vous allez bien dans cette soirée, en cette fin de semaine. Particulièrement non calme pour moi, ça a été pour le coup, ça change un peu le week-end dernier où c'était sympa aussi. Ouais, voilà, petit retour après un petit week-end passé en Bretagne pour faire une surprise à ma filleule et à mon beau-frère en plus en même temps et à ma mère aussi. Bon, voilà. J'ai réussi mon coup avec ma frangine pour débarquer sans que personne soit au courant. Bref, on reprend du coup les streams. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas mal de choses dès le début, on va pas se mentir. Autant les dire au début parce que j'ai vu que de toute façon. Alors, le problème c'est que pour ceux qui sont en live, si je le dis au début, comme il n'y a personne là actuellement, bon, bah voilà, ça complique un peu les choses. Puisque du coup je dis des choses que personne n'entend en temps réel. Et pour ceux qui regardent les replays, si je le dis pas au début, de toute façon c'est pas à la fin qu'ils sauront, puisque les durées de visionnage sur YouTube, ça dépasse pas le max que j'ai eu, je crois, c'est 25 minutes sur des lives de 2 heures. Donc autant dire que c'est pas la dinguerie. Après, je sais qu'il y en a quand même qui malgré tout arrivent jusqu'au bout, c'est pas la question. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs choses. La première, c'est le premier stream qu'on fait ce soir avec mon nouveau bureau, qui a la particularité d'être un bureau assis debout. Mais ce soir, je le fais assis parce que, en fait, là, j'ai commencé réellement à tester de travailler debout. Sur ce bureau, c'est génial. Honnêtement, rien à redire. Il n'y a pas de souci. FlexiSpot, c'est de la bonne came. Déjà, pour monter le bureau, le bureau fait 70 kilos. Hein. Le jour où il va falloir le descendre de l'appart, celui-là, je peux vous dire que je vais en chier comme c'est pas permis. Je sais même pas s'il va passer d'ailleurs sans devoir le démonter. On verra bien. Comment? Donc oui, je ne fais pas pour l'instant de stream debout, je ferai le test plus tard. Je voulais pas pour ce soir, je voulais pas y aller trop fort parce que il a beau être ultra stable et j'ai pris avec deux pieds, etc. Et ça wobble un petit peu, notamment la webcam qui est posée sur l'écran. Comme le pied de l'écran, il n'est pas non plus ultra 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 stable. Il a tendance à très vite bouger, donc du coup, dès que je commence à taper au clavier, ça vibrote un petit peu. Alors quand on est sur des scènes où on partage l'écran, c'est pas si grave. Mais typiquement, j'étais en train de réfléchir à dire peut-être que le prochain stream, ce sera un petit démontage de PPR qui a cruellement besoin. Changer les batteries, oui et non, mais ça, comme je les ai pas commandées, à mon avis, je le ferai pas tout de suite. Mais il chauffe pour un rien, et en fait, je pense que bah, au bout de 8 ans, on va peut-être lui refaire la pâte thermique au Gaillard. Donc, et le problème, c'est que pour filmer ça, en le faisant debout, c'est compliqué, parce que j'aimerais bien être debout, parce que vraiment, ce serait parfait. Mais le souci, c'est qu'il faut que je trouve un moyen pour que la caméra soit pas attachée au bureau, finalement. Hein. Comme ça, on peut voir l'ordi sans que ça tremble. Parce que sinon, ça va être regardable. Pas se mentir. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi,
Je suis pas allé voir s'ils l'ont annoncé. Oui, si, c'est annoncé. Ok, on a l'annonce sur le site web. Il y a de grandes chances. Alors, ça va être quoi? Desktop. Il y a de grandes chances que je sois présent. Alors, certes, c'est dans un petit peu plus d'un mois, mais je préfère l'annoncer tout de suite. Au PSL XXL, qui va se durer 2 jours, début décembre. Ça fait quand même depuis, bah, depuis le Covid, en fait, que j'y suis pas retourné à cet événement qui, normalement, se déroule tout le premier samedi du mois. D'où le PSL, le premier samedi du libre. Et comment? Et donc je prévois d'y aller. Je sais pas encore comment m'organiser, c'est-à-dire parce que j'aimerais, bah, ce que je faisais moi, c'est quand j'y allais, c'est que je participais pour aider les gens avec leur ordinateur, que ce soit pour de la réparation, de l'installation de Linux, et du conseil de manière générale sur, sur l'utilisation de comment? De l'ordinateur. Sauf que là-bas, comme là, c'est sur 2 jours et que ça veut faire une espèce de revival d'un peu ce qu'étaient les Ubuntu Party. Il y a des ateliers, il y a des conférences, et il y a peut-être des trucs où j'aurais envie de participer. Donc pas passer 2 jours à juste bosser dans le coin, install party entre guillemets. Donc puis envie aussi de discuter avec potentiellement les associations qui seraient présentes. Et discuter aussi avec des gens que j'ai pas vus depuis 4 ans. Aussi, potentiellement, physiquement, hein, s'entend, hein, parce que bon, avec Internet, voilà, on sait ce qu'il en est. Donc voilà, ça c'est mon gros programme, on va dire public entre guillemets. Donc ça se passe comme ça se passe toujours, c'est au carrefour numérique de la Cité des Sciences. Et donc a priori, voilà, c'est 2 jours, 10h, 18h à chaque fois. Voilà. En fonction de comment ça se fait le samedi soir, il y aura peut-être un peu de la rallonge en fonction de comment ça se passera. Parce que 18h, de toute façon, je crois que c'est la fermeture au public. Donc, en fait, on n'a pas le choix, en fait. C'est tout le monde sorti à 18h. La Cité des Sciences ferme à 18h. Après, ça peut être privatisé, mais bon. Je pense pas que Paris Linux ait les moyens de faire ce genre de choses et que ça les intéresse pas de toute façon. Donc voilà, ça, c'est. J'irai, j'irai. Merci d'ailleurs Genma pour m'avoir prévenu que ça allait se produire. Peut-être passer à côté en plus. Et donc c'est l'occasion de remettre les mains là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? J'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire, c'est infernal. Oui, si quand vous passez, vous voulez. Alors, si vous regardez sur YouTube et que vous regardez tout le temps sur YouTube, si vous voulez rien rater, je préfère. Ce qui paraît qu'il faut le dire sur YouTube, parce que sinon les gens n'y pensent pas. Ce que je peux éventuellement comprendre, on va pas. Voilà, je vais pas faire de bashing de quoi que ce soit. Tiens, j'ai 2 fois le raccourci Twitch, moi là maintenant c'est nouveau. Comment? Donc oui, si vous regardez sur YouTube et que vous voulez rien rater des prochains replays, et peut-être, je garantis rien, je veux pas promettre la lune, mais peut-être d'autres vidéos dans un futur plus ou moins proche, bah pensez à vous abonner et alors, moi je le fais avec des flux RSS, donc si vous le faites comme moi avec des flux RSS, mettez-le dans vos flux RSS, mettez la chaîne dans vos flux RSS. Si vous utilisez que YouTube, bah pensez à activer les notifications en plus, parce que s'abonner ça suffit plus depuis très longtemps, parce que YouTube fait n'importe quoi avec la façon dont vous regardez les vidéos. Voilà. Ah si, tiens, oui, je disais, je suis très surpris, si vous regardez, alors, tout à l'heure, j'ai eu un truc sur la fenêtre du chat qui me dit, les récompenses sont activées, j'ai rien compris, je sais pas pourquoi.
Et en fait, maintenant, apparemment, ce que je n'avais pas avant, dans le lecteur Twitch, il y a le truc adaptatif. Alors, j'ai pas changé de statut, je suis pas devenu affilié de quoi que ce soit, parce que je stream pas assez. Je stream pas assez et j'ai pas assez de gens qui chattent pour débloquer tous les trucs pour pouvoir éventuellement demander le statut affilié. Et pourtant, ils m'ont quand même débloqué cette fonctionnalité-là, donc maintenant, vous avez l'adaptation de la qualité du flux. C'est tout bonheur, hein? Voilà, moi j'ai vu ça tout à l'heure. En fait, avant, j'avais que le 1080p source parce que je suis tout seul. Et ah oh merde, vous le voyez deux fois. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça, sinon ça pose des problèmes. Mais donc oui, avant, voilà, il y avait que cette qualité-là. Et super, on va gagner de la thune. Bah non, pas encore. Mais pour gagner de la thune, il faut. Bonsoir, Jerfy. Pour gagner de la thune, il faut qu'il y ait plus de une ou deux personnes. Non, c'est je crois c'est cinq personnes qui discutent en même temps dans le truc. Et j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Je crois que le maximum. Il me dit que le maximum qu'il y a eu, c'est 3. Bon bah voilà quoi. C'est. Alors je vais fermer ça là. Hop, voilà. Bon, c'est pas méchant, hein, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai pas changé de statut et vous avez un truc en plus sur Twitch, donc ça me plaît. Est-ce que ça veut dire que derrière, comme ils commencent à me rajouter des trucs, il y en a qui vont se taper de la pub en arrivant sur le stream, ça, j'en sais rien. Je n'ai absolument aucun contrôle là-dessus. C'est comme sur YouTube, hein, si jamais YouTube vous met de la pub, et c'est quasiment certain parce que la vidéo fait 2 heures. Voilà, moi je monétise absolument rien pour l'instant. Au mieux, si je le monétise de toute façon, soit ça me sert à financer mes propres infrastructures, sachant que je paye déjà, soit je vais rajouter ça dans une espèce de pot que je mets pour faire des dons aux associations. Actuellement, j'ai le don, j'ai pas énormément de trucs. Bon, là je me suis. J'ai craqué mon ben avec le The Event où je crois que j'ai lâché 900 balles, un truc comme ça. Mais sinon, j'ai pas grand-chose pour l'instant. J'ai quoi? Je fais Wikipédia tous les ans. J'ai Framasoft en récurrent parce que j'adore ce qu'ils font. Même si je m'en sers pas encore et même si on n'a pas encore exploré nous-mêmes ici, j'adore ce qu'ils font autour de Peertube. Et j'aimerais, voilà, je veux que ça continue d'exister et que ça se développe éventuellement. Et ils commencent à rajouter des trucs vraiment pas mal et où il y a moins besoin de bricoler avec des plugins. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en récurrent, c'est tout en fait. Donc l'idée, voilà, ça pourrait être de développer, soit de grossir ces dons-là que je fais, voire par une. Soit passer sur d'autres. Sur d'autres. Quoi? Kianouche, mais voyons, bonsoir! Merci! Incroyable! Ça fait longtemps, dis donc! Ça va faire 1 an, déjà. Quel enfer! J'espère que tu vas bien. Voilà, donc si jamais je développe l'aspect, on paye un peu, enfin je peux ramasser entre guillemets de l'argent avec ce genre de avec ce cette petite activité-là, ce sera vraiment que pour ça, quoi. Y a de toute façon pas de volonté, hein, depuis le départ, c'est je me réserve un créneau où je recommence à bricoler des conneries. Comment? Parce que je le faisais plus, et c'est toujours le cas, c'est aussi pour ça qu'il y a toujours qu'un seul stream par semaine. Et encore, comme c'est le vendredi soir, et que des fois je fais des trucs le week-end, et du coup je suis obligé de partir le vendredi soir, du coup le stream saute. Bah voilà, c'est pas parfait, quoi. Bref, bref, bref. Du coup, avançons, avançons, avançons. Ouais, ce soir, plein de choses. Des trucs un peu moins rigolos. On va commencer par crever ça tout de suite. Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, il y a une petite bisbille en ce moment autour de Bitwarden. On avait déjà testé du coup ce gestionnaire-là en live. On avait testé Vault Warden. On avait testé une réécriture en Rust
de Bitwarden qu'on avait déployé dans le cluster Kubernetes. Et où on avait vu que bon, c'était pas aussi complet et facile. Très utilisable pour plein de monde, il n'y a aucun souci. C'est une très très bonne alternative en auto-hébergé à des outils comme LastPass, OnePassword, Dashlane, ProtonPass, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, Bitwarden, ils proposent leur propre service, qui en plus c'est vraiment pas cher par rapport aux concurrents. Bon, le truc c'est que Bitwarden, pour l'héberger soi-même, c'est du full.NET avec du SQL Server derrière, c'est pas la folie. Et c'est pour ça que Vault Warden était une bonne réécriture. Et là, apparemment, ils ont commencé à faire des trucs un peu cracra avec la nouvelle version de leur client desktop où ils rajoutent un SDK internal qui n'est pas open source. Ce qui rend le truc un peu. Bon, a priori, ce serait plus un bug qu'autre chose. Où est-ce que j'avais vu? J'avais vu un truc comme quoi ils expliquaient que potentiellement le client. Enfin, que c'était un bug et qu'ils n'avaient pas besoin de. Voilà, c'est ça. En fait, normalement, le SDK internal, il devrait pas être inclus comme dépendance dure et qu'il devrait pas avoir à l'imposer au client. Et du coup, en fait, il publie les sources, mais plus personne peut le builder, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on n'est pas encore dans la fermeture complète du truc, mais bon, c'est moyen comme signe. Donc après, bon, quand on utilise Vault Warden, si on utilise la version web ou si on utilise des plugins de navigateur et qu'on s'en tient là, bon, ben voilà. Et pour la version desktop, c'est pas la folie. Bon. C'est pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, alors ça, j'ai pas encore testé, mais ça, de toute façon, on pourra pas le tester en live parce que je n'ai pas d'Android télé ici. Mais c'est un des. Comment? Le truc s'appelle Downloader à installer pour des Android TV parce que. Bah parce qu'on peut vouloir installer des applications sur un Android télé. Typiquement, je pense à chez ma maman. Qui utilise sa télé et où typiquement c'est juste impossible de regarder des vidéos sur YouTube sur sa télé, c'est infernal tellement il y a de publicité. D'ailleurs, alors c'est pas YouTube, c'est Amazon, je sais plus. Amazon qui nous dit non, non, mais on va vous faire un abonnement moins cher, mais par contre, il y aura quand même un peu de pub. Alors que le concept de payer à la base, c'est de plus avoir de publicité, mais là, ils veulent tellement le forcer dans la gorge des gens. Ou YouTube fait ça aussi. YouTube veut faire une version premium un peu moins chère pour mettre un peu de publicité quand même. Parce qu'on n'en mange jamais assez. Non, le truc rigolo que j'ai vu passer là cet après-midi, il y a un projet qui annonce lancer un truc qui s'appelle Zorce qui permet de générer des données pour entraîner des modèles de langage pour les mainframes. Donc les mainframes, hein, c'est les vieux trucs à l'ancienne où en fait vous avez toute l'informatique, toute l'intelligence entre guillemets, la puissance de calcul dans des énormes serveurs. Historiquement, prenait des pièces entières. Et de l'autre côté, vous aviez juste un écran et un clavier pour vous connecter dessus. On a encore plein de services, plein de systèmes qui fonctionnent comme ça. Les banques en sont remplies. Parce qu'elles n'ont rien trouvé de mieux pour faire leur travail actuellement. Qui peut poser un peu de problème. Hein. Là, on voit mentionner le COBOL. Le COBOL est un langage de programmation qui est très optimisé pour les besoins bancaires. Le problème, c'est que ce n'est plus enseigné nulle part. Les outils de développement ont très peu évolué, même si j'ai appris qu'il y en avait qui commençaient à essayer de bosser sur des prises en charge un peu d'outils de compilation moderne, des trucs un peu histoire de ramener les pratiques de développement du 21e siècle sur ce langage qui a quand même un peu plus de 50 ans maintenant, voire 60 si c'est pas si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, et là, bah, c'est la nouvelle étape, c'est-à-dire ils cherchent à générer des données disponibles pour entraîner des modèles de langage, pour utiliser de l'IA, pour développer pour les mainframes. Donc c'est très rigolo, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça aussi. Autre chose dont on avait parlé ici par le passé. Le développeur de SingSing laisse tomber la version Android. Ce qui est très chiant pour moi, puisque c'est ce que j'utilise actuellement pour synchroniser mon gestionnaire de mots de passe. Enfin, pour synchroniser mon coffre-fort de mots de passe entre mon ordinateur fixe, le laptop et mon téléphone. Donc c'est un petit peu chiant. D'ailleurs, là, dans cet article-là, il parle de SingTrezor, qui est ce que j'utilise moi. D'ailleurs, est-ce qu'il déconne encore? Non, il remarche, impeccable, parfait. Donc voilà. Parce que pendant, je dis ça parce que pendant un moment, quand j'ouvrais la fenêtre, en fait, le contenu ne s'affichait pas là. Ça fonctionnait, mais le contenu ne s'affichait pas. Bref, voilà. Mais il y a déjà, on est tranquille, il y a déjà un fork qui a été lancé, qui est déjà disponible sur F-Droid. Donc j'aurais potentiellement à refaire une installation avec le fork. Je le ferai pas en live parce que c'est pas très intéressant. Mais bon, voilà. Du coup, quelle heure il est? 21h30. Est-ce que on va commencer par aller s'occuper? Alors, ça, tout à l'heure, j'ai eu le droit à ce magnifique pop-up sur mon ordinateur portable qui me dit que le certificat imap.clantoc.org a expiré le 24 décembre. 24 octobre, pardon, décembre, on est dans le futur. Oui, bah, le fait est que... Alors, on est le 25. Sauf que bah, ça fait des mois que j'ai pas eu à toucher à ce truc-là. C'est pas comme mon blog où je savais que j'avais fait des conneries à verrouiller l'arborescence dans laquelle il générait le challenge Let's Encrypt. C'est du Let's Encrypt, hein. Donc on va tout simplement. Oula, bien, c'est vrai que du coup, en changeant l'échelle, ça pique un peu. Hop, voilà, on va refermer un peu ça. Donc bah, je propose qu'on vérifie un petit peu ce qui se passe. Alors, on est sur de l'IMAP. On va commencer par revérifier de l'extérieur avec nos propres moyens. Pour ça, généralement, le truc qui va très bien, c'est OpenSSL. S-Client, Connect, IMAP.clantoc. .org. Le point, et on est sur de l'IMAP SSL, donc ça va être 993, je crois. Tiret, server name. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais IMAP.clantoc.org. On va faire un petit echo quit. Pep, pipe. Et on va faire un OpenSSL. Ah putain, j'étais jamais arrivé à cet endroit-là et c'est dégueulasse en fait. Elle est bien la déco, mais en fait, elle est chiante. X509-note-text. Et on va mettre tout ça dans un less. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cool note read. Ah, ok, bon, alors, on a un problème avec la commande de départ. Ah ben non, oui, non mais c'est... Je suis con. Voilà, alors... On est effectivement sur un Let's Encrypt qui est là avec et qui dit le 24 octobre à 19h30. Bon. Donc déjà, on est bon et on est bien pour de l'imap.clantoc.org. Ok. Nanana, on sait le CDSA, d'accord. Bon. Ok. Bon, et ben on va aller voir ce qui se passe, hein. Alors, clac, nous voilà sur le serveur. Nous avons donc du texte trop gros, fait chier. Voilà, ça marche bien comme ça. Donc on est bien sur
On a un Dovecot qui écoute sur le 993. On a un Nginx qui écoute sur 8443 parce que je dois avoir un webmail qui traîne. Je sais plus comment. On a un MariaDB qui sert à je sais plus qui. On a du Munin. Ok. Du coup, donc on a Dovecot qui écoute là-dessus. Alors c'est pas. Est-ce que c'est. Alors déjà sur ces trucs-là. Ah! Donc on n'est pas sur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quelqu'un qui m'a fait un MKDIR 755, c'est dégueulasse, hein? 2018, ok. Ça, je crois savoir qui c'est. Bref. Bref. Ce n'est pas. Qu'est-ce que j'utilise moi déjà qui est sur. Acme. On n'est pas sur de l'Acme. Donc on est potentiellement. Sur du certbot, mais à l'ancienne. Oula. On est sur quoi? On est sur du Debian 11. Oula. Ok, donc on n'a rien dans la cron table là. Alors, on a un vieux truc qui nous fait certbot avec un user bin certbot. Et qui nous fait un tiret Q renew. Je me souviens même plus comment c'est installé. C'est du Python 3 avec un vieux. Oh là là, oh, c'est plus à jour du tout ce truc-là. Alors, on voit qu'il y a des trucs qui ont été tentés le 26 septembre, manifestement. Ah, non, mais il est là. Ben alors. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord. Oula. J'ai quoi? J'ai un SSL là, c'est ça, .conf. ETC, Let's Encrypt, live. Ouais. Il m'aurait pas redémarré Dovecot après le truc, c'est ça? Ah ouais, 4 septembre et du coup. Donc ce serait juste ça en fait. Oula. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? SSL protocol, d'accord. Ah, et bah ça, tu m'étonnes. You can get a new clean config dovconf-pn. D'accord. Ouais, ok. Et du coup, si on refait ça. Bon bah voilà, ok, donc c'est juste Dovecot qui a pas redémarré à la fin du renouvellement du certif.
Bon, bah voilà, quand je disais que je passerais pas l'heure là-dessus, ça a été fait en moins de 10 minutes. Ça aurait pu être beaucoup plus pénible. Mais par contre, ça m'emmerde un petit peu parce que du coup, ça veut dire que Certbot redémarre pas. Comment on peut modifier ça? Merde, oui. Alors. Ok, d'accord. Est-ce que... Alors, un truc, c'est que moi j'utilise une vieille version. On aurait un post-hook, d'accord. Mais ouais, mais du coup. Le problème, c'est que moi c'est sur un truc qui est existant et du coup je. Ah, ok, voilà. Donc renewal param. Ok, renew hook. Ah, bah voilà. Parfait. Parfait, parfait. Alors, c'est quoi ça? Non, bah du coup c'est post-hook. Je pense que ça va être ça. Ah, putain, casse les couilles, c'est pop-up. Tac, tac, tac. On peut directement dans les renewal hook. Ah, bah c'est vrai que j'ai ça du coup. Alors post. One restart per service issues, the script will still need a unified way to control services, so that multiple deploy don't restart in me. Ah oui, bah oui, bah le problème quand on fait ça, c'est que... Ouais, d'accord. Ouais, mais ça, on n'a pas la version de serve de machin. Un truc dans le style à vérifier que ta version. Ouais, bah le problème, c'est que. Ah, est-ce que ça va marcher, ça? Ouais, c'est un vieux certbot, hein. C'est un très très vieux certbot. Je sais pas s'il faudrait pas que je le mette à jour, mais j'ai peur de tout péter si je fais ça. Vu comment il a été installé. Alors on a quoi? Machin, tac tac tac, un register, update account, non, certificate, non, revoke, delete, on s'en fout. Ouais, non, il n'y a pas de subcommande. Ouais, donc c'est ça en fait, et du coup, mais le problème c'est que c'est quoi le format de tout ça du coup? C'est en fait certbot, renewal-. Alors, est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui va nous... Ça va être ça. Alors, si on change la version de la doc, on n'a pas... Ça va être là, voilà. Non, c'est pas ça, je peux pas. Version latest, stable. J'ai pas de. D'accord, bon. Bon, bon, bon. C'est un peu chiant. D'accord, mais après, du coup, c'est rond. Alors. Any executable files. Voilà. Garde ce binaire de côté et mets le nouveau, tu peux toujours. Ouais, alors. Et au pire, je sulfate tout et je repasse à acme.sh. Mais bon.
Comment dire que j'ai la flemme ce soir? Non, mais ce qui est ouf, c'est que du coup, parce que là. En fait, j'ai le SMTP. Sion, ça doit être pour le web. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bin flemme, clairement flemme. C'est chiant parce que je me rate toujours deux fois sur trois. Il a quand même pas été installé. Ouh! Comment ça? D'accord, il vient des dépôts de Debian 11. Ok. Donc en fait, je me suis même pas emmerdé à... D'accord. Mais comment on a fait ça? Bon. Ok. Ok. Mais du coup... Qu'est-ce qu'il nous dit avec ça? On a distro info data et Nginx. Ouais, bah let's go. Hein. Allez. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Post. Et donc là, on va faire quoi? On va faire un restart-services.sh. Hop, on va faire ça. Systemctl restart devcot. Nginx. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quoi qui écoute? On a Dovecot, Nginx. Ah, bah, puis on a le SMTP, donc on a Postfix à tous les coups. Oula. Tac, tac, tac. Les domaines, Sion, machin. ETC. Ok, donc il est là. Il est là, il est là. Les fichiers sont là. Du coup, non, raté. Ce sera dégueu, mais au moins ce sera fait. Voilà. Puis bah du coup, vu que les certificats ils datent du mois de septembre, ça veut dire que la prochaine fois, on avait dit que c'était quand? Chercher SMTP 23 décembre ok à 23h40 ouais alors c'est pas malin cette histoire est-ce que du coup je m'emmerderai pas à dire de toute façon c'est pas la peine de s'emmerder et ça bougera pas jusqu'à ah
C'est chiant, ça. C'est très très chiant. Bon, au pire, c'est qu'un 23 décembre. Mais en tout cas, voilà, ça se... Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on a de la base de données. Lance un renew manuellement la semaine prochaine. Ouais, si comme ça tient jusqu'au mois de janvier, c'est ça? Bon, je peux le faire là, en fait, hein. Un truc, certes, bot, c'est quoi? Tirer force, renewal. On va le faire comme ça, hein. Non, non, parce que les certificats, ils ont été renouvelés le 25 septembre. Bah, ils se foutent de ma gueule ou... Pour IMAP, SM... Ah, c'est pour Sion où il a des galères. D'accord. Running post-out commande. Bon, bah voilà. Hein. J'ai envie de dire... Mais il le fait qu'une fois en plus, du coup. Il renouvelle tous les certifs et après, il... Et donc là... Parce que là, si on est le 25, 10, du coup, 11, 12, ouais, ce sera au mois de janvier. Bon, bah voilà, comme ça, on verra après Noël. Bah, du coup, post-fixe, voilà, 20 octobre, 21h45, tout va bien. Et il est toujours debout. Ok. Ok. Or, faut pas paniquer parce que au niveau des ports, il a beau avoir plein de trucs ouverts un peu cracra. Dans la pratique, le 25 n'est pas ouvert, je crois. Le 80, j'ai dû le laisser ouvert, mais il redirige vers le 443. Le 143 n'est pas ouvert, j'ai que le 900... J'ai que le 993 qui est ouvert. Le 41, 90, je sais pas ce que c'est. Bon, en gros, j'ai laissé ouvert que les trucs à base de... comment? À base de chiffrement, on va pas se mentir. À peu de choses près. Voilà. Très bonne question. Alors, celui-là, le 49-49, c'est Munin. C'est Munin. Et l'autre, par contre, alors là, c'est l'anti-spam. Donc là, on a SpamD et Amavis à côté qui est pour l'antivirus. Donc il y a les plugins de Postfix qui viennent plugger la réception ou d'Offcode, je sais plus, qui va aller se brancher à Amavis. Et ou SpamD, enfin voilà. C'est... Oui, non, mais t'inquiète, je connais, rappelle-toi, on a vécu ensemble, hein. On a vécu ensemble ce genre de choses. Par contre, ouais, j'avoue que le XinetD, là, le 65-56... Check MK. C'est quoi ça? D'accord, donc j'aurai un truc de monitoring qui sera installé sur le serveur.
Qu'est-ce que c'est que ce machin? Sinon, j'aurais une saloperie sur le serveur? Ça me ferait mal, tiens. On est bien sur XinetD, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il a une conf check MK, mais je t'avouerais que... Oula, oula. Non plus. J'ai des doigts carrés, c'est infernal. Non, mais il n'y a rien, attends. Les gros dégueulasses. Ouais, 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 mais c'est pas impossible. Tu sais, ce serveur-là, tiens, tu vois, regarde. On a un vieux paquet libtid qui date encore de Debian 8 dessus. Donc en fait, lui, il a vécu Debian 8, Debian 9, Debian 10, Debian 11. Et je me suis arrêté là, hein. Donc autant dire qu'il a... Voilà. Il a bien vécu. Il a très fortement vécu et j'ai jamais fait le ménage en fait de ce truc là. Donc en vrai Et en plus il n'y a qu'un seul service de démarrer, donc ouais en fait je pense que si je le coupais je m'emmerderai pas, quoi. Ouais, c'est pas grave, ça. Voilà, il y est plus. Si, il y est encore, cet enculé. Ben, mais voyons. Ah oui, non, c'est bon. Non, non, je dis des conneries. Non, non, c'est bon. Ok. Aveugleman. Non, par contre, c'est quoi ce port 41,90 sur Dovecot, là? Pour Civ, d'accord. Civ, c'est quoi déjà? C'est quoi scripting language for email filtering? D'accord, donc c'est encore un truc de filtrage. Ok. Ok, ok. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon bah voilà, c'était vite réglé cette histoire. Mais ça fait du bien de se remettre un peu dedans, j'avoue que de temps en temps, tiens, du coup, à côté, on va lui redemander, là, il nous fait quoi, le gaillard, là, si on fait relever, du coup, il va plus gueuler. Pas de nouveau message, parfait, voilà, comme quoi. Donc oui, tu nous as filé, hop, alors, c'est... Modifying process name in Unix-like file system, ah, c'est bien ça. Et du coup, comment ça marche? Ah oui, bah du coup, il le fait en... Ouais. Il le fait en C. Ok. Ok, ok. Ouais. Mais, oui, oui, bah ça, je... On a vécu, on a vécu, on a vécu. On en a vu des petits saligots qui essayaient de se faire passer pour Postfix, par exemple. Je connais. Alors.
Qu'est-ce que... Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc c'est une victoire de... Hop. J'avoue que Certbot, ça fait tellement longtemps que je l'utilise plus. Alors, pourquoi j'ai plein de trucs d'Amstrad d'ouvert? Mon cerveau, qui a beaucoup trop de temps à perdre manifestement, alors que c'est pas vrai. Est tombé. Alors, au début, je suis tombé en. Il y a. C'est quand? Le week-end dernier? Sur une info par rapport à un moteur de jeu open source, dont j'avais déjà entendu parler il y a très longtemps, mais je m'étais pas plus intéressé que ça au sujet, parce que bon, comme je développe pas grand-chose, et qui s'appelle Ogre. Et du coup, Et je suis tombé sur plusieurs trucs, dont un Stunt Rally que j'ai téléchargé, j'ai pas encore installé, donc je vais pas chercher à y jouer ce soir, hein, mais voilà. Donc je suis tombé voilà, sur des jeux qui fonctionnent avec ce moteur-là. Ça m'a rappelé un petit peu toute l'actualité autour de Unity l'année dernière. Qui avait qui comment qui l'année dernière avait été très critiqué par rapport à sa à ses changements de licence où il voulait faire payer que il voulait faire payer 50 fois plus tous les développeurs il voulait modifier la licence de leur moteur de jeu pour dire que tu allais payer à chaque installation de ton jeu. Voilà, donc autant dire que chez la galaxie de développeurs indés qui se basaient sur Unity parce que c'était bien, que c'était pas cher, que ça permettait d'avoir des petits projets qui étaient malgré tout viables, ça a gueulé très fort. Et ça a gueulé tellement fort que ils sont revenus en arrière, qu'ils ont laissé tomber leur système de licence à l'installation. Le patron de la boîte qui avait mis ça en place, il a été jarté. Mais ça a permis de mettre en lumière un autre moteur open source qui est Godot. Et qui à l'époque était en train de sortir sa version 4, qui était une grosse refonte et qui améliorait plein de trucs et qui amenait plein de choses. Et où pas mal de développeurs indés se sont dit, tiens, et si on cherchait à utiliser ça plutôt que de payer Unity qui derrière va nous faire payer encore plus dans le futur? Donc voilà, c'est un petit peu cool. Et là, mon cerveau malade s'est dit, et si un jour on se lançait pas un peu là-dedans pour voir un peu ce qu'on peut faire comme truc? Et j'ai rien trouvé de mieux que dire, et si on refaisait un jeu que j'avais découvert sur Amstrad CPC avant que je sache lire, donc quand j'avais 4 ans et demi, 5 ans, qui s'appelle Ménopède. Alors, je sais pas si... Voilà. Ménopède, il a un peu cette tête-là. Vous voyez le Snake? Bah, c'est du Snake, mais en fait, vous avez un labyrinthe, et vous devez manger toutes les pastilles qu'il y a dans le labyrinthe sans vous bouffer la queue. C'est pas... Vous voyez, ça a cette tête-là. Alors, je sais pas si c'est assez grand pour vous. Oui, bon, voilà. Donc, sur Amstrad CPC, alors, il avait cette particularité d'être écrit en basique Amstrad. Donc, pas compilé, hein, vraiment basique. Alors, la blague du A accent grave, c'est parce que le jeu à l'origine, voilà. Le jeu à l'origine, il avait été écrit pour des Amstrad anglais avec du QWERTY. Et dans la table de caractères embarquée dans l'Amstrad, parce qu'il n'y en avait qu'une, hein, il n'y avait pas 50 polices de caractères avec des encodages, machin, etc. On est il y a 40 ans, rappelez. Il y a une table de caractères avec 255 caractères dedans. Chaque caractère a sa propre définition qu'on pouvait refaire en plus d'ailleurs. Mais voilà, le fait est que en fait, ils utilisaient l'arobase qui avait donc cette tête-là pour faire la chenille, sauf que l'arobase n'était pas dans la table de caractères qui était dispo sur les Amstrad français.
Du coup, quand on lançait le jeu, ça remplaçait par le A accent grave. Ce qui était un peu rigolo. À côté de ça, on avait quand même toujours le copyright, hein, mais pas l'arobase. Bon, c'était il y a 40 ans. On ne faisait pas encore de mails sur nos ordinateurs. En tout cas, pas dans le grand public, hein. Il s'était réservé aux universités. Et donc voilà. Et donc en fait, voilà, ce truc-là, bah, du coup, c'est écrit en basique. Je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de voir si on est capable de le refaire en 2017, en 2024, pardon. D'une manière ou d'une autre. Alors je pense que genre la première étape, c'est d'essayer de s'implémenter un snake, hein, on va dire, sans les murs, etc. Avec juste une pastille qui apparaît à chaque fois. Mais c'est rigolo. Alors, au départ, j'ai cherché, alors j'ai trouvé. J'ai trouvé l'image disquette dans lequel il y a le jeu. C'est en basique. Alors j'ai un petit problème. Au début, je me suis dit, bah, je vais lire la disquette. Et le problème, c'est que. Le problème, c'est que il a planté tout à l'heure. Donc du coup. Alors attendez, hop. Parce qu'il a trouvé le moyen de me friser à la tronche juste après que j'ai lancé le live. J'ai. Voilà. Alors la difficulté, c'est que. Voilà. On a. Il faut que je réduise ça, parce que je vois plus rien. Je pensais lire la disquette en brut et me dire je vais récupérer le. Je vais récupérer la source du jeu. Qui est pas grosse, hein, parce que vous voyez, l'image entière, en fait, elle est vide. Hein. Il n'y a que le jeu dedans. De temps en temps, on voit des informations de secteur, mais c'est. Bon. Voilà. Les disquettes font 178 kilos hein, sur Amstrad CPC. Le problème, c'est que toutes les instructions en fait du code, elles sont tokenisées parce qu'on est à une époque où chaque octet compte et où il faut optimiser au maximum la consommation d'espace. Et donc en fait, le code entier n'est pas en texte brut parce que ce serait beaucoup trop lourd. En fait, chaque instruction est codée sur un, deux caractères en fonction des besoins. Enfin, sur un, deux octets, chaque fonction du langage basique de l'Amstrad, et donc du coup, c'est ce qu'on voit là. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut soit avoir un outil qui extrait le fichier de l'image disque et me transcrit la source pour qu'on ait la source basique pour essayer de la refaire dans un autre truc pour comprendre la logique. Parce que je vous cache pas que moi, j'ai pas encore, je me sens pas de me. De m'amuser à réécrire la logique de ce truc-là. Au début, j'étais parti sur les émulateurs. Donc l'émulateur, au début, je me suis dit, tiens, bah il y a Olivier Poncet qui nous fait un émulateur. Bon, le problème, c'est qu'il est que pour il est que pour Linux. Alors on pourrait faire un truc très rigolo, c'est-à-dire de l'utiliser dans le WSL2, mais je suis pas masochiste. Il y a un Caprice 32 qui, bon, commence à dater un poil, mais qui est. Un des vieux émulateurs qui existent pour. Pardon, je vais y arriver pour Amstrad CPC. Donc là, ça aurait été coucou, on charge la disquette, on lit la source et on la recopie à côté. Donc là, ça aurait été violent. Et au final, je suis tombé via un article sur Medium en faisant une recherche. Alors, donc vous voyez tout de suite le nombre d'onglets que ça peut faire. Sur un petit script Python qui va aller lire le contenu de la disquette et remplacer. Et remplacer tout ce qui a besoin d'être remplacé dans le contenu de la disquette par du vrai code, quoi. Et ça, je me demande si on va pas le tester tout de suite, pour le coup, parce que c'est juste un seul script, il n'a pas de dépendance. Ça peut se faire très bien, donc ça peut être rigolo.
On va cloner le machin. Du coup. Oh, je mets toutes les lettres dans le désordre, c'est infernal. Voilà. Du coup. Ouais, c'est ça, faut que je le fasse comme ça, sinon ça marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous faut un fichier. Ouais, bah t'inquiète. Je crois que j'ai ça. Voilà. On va virer tous les espaces parce que ça m'emmerde. Et du coup, on va revenir sur notre Python. Processing, Menoped, machin. Ok, donc là, il a rien fait. Qu'est-ce qu'on avait du coup dans les usages? Track start, track end, on s'en fout. Donc là, on a un menop.bass. Ok. Ouf. Ah bah non, ça va pas, ça. Je croyais qu'il nous faisait le... Ah bah, je pensais qu'il faisait le truc. Alors. Je pensais que le truc il nous faisait le... Ou alors j'ai pas tout compris. Je pensais qu'il faisait la traduction du truc, mais... Bref, bah c'est moins... C'est de la MS-DOS, oui, tout à fait. Ah bah ouais, mais du coup, ça va être un peu... Ça va être un peu moisax, cette histoire. Parce que... Si on fait... Allez, soyons fous. Récupérons Caprice 32. Il est où? C'est un bordel là-dedans. Un jour, je rangerai. Hein. Euh...
Ouais, vas-y, vas-y, exécute. T'inquiète. Oh là. Dire syntaxe erreur. Comment ça? Ben oui, mais le problème c'est que comment je le fais pour la charger le. Non, ça c'est. Oula! Bon, alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Joystick init? Oui, bon, on s'en fout, c'est normal. Cap32.cfg. D'accord, mais c'est quoi le. Qu'est-ce que. Alors. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus. Comment dire? Un lanceur, une connerie dans le genre, je ne sais pas, moi. Alors, manuel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cap 32, machin, media loading. Ah oui, d'accord, donc en fait, il faut le lancer avec. Oh la vache. Ah non, mais oh. Hein. Alors, on a quoi? Ah, F1, chaud, GUI. Ok, alors. F1, voilà. Load save, sauf que j'ai déplacé l'image tout à l'heure. Donc, du coup, MV. Minoped, slash MNT, slash C, users, c'est boss machin. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Download. Cap 32. Parfait. Hop. Alors, load save. File type, c'est un drive machin, c'est un load, menoped.dsk, load. Ferrari. Non, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Pourquoi il veut pas le prendre? Ah, voilà. Oh. Oula. Bah ouais, mais je fais comment moi du coup? Houston, on a un problème. J'ai pas les guillemets. J'ai pas les guillemets, j'ai pas les guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, je dis français et du coup il me le passe en anglais. Oh! Non, non, c'est pas chier. Sérieux? Non mais comment je vais faire du coup? Ah c'est Shift 2, d'accord, ok. Alors du coup, est-ce qu'il m'a gardé le truc? Bah non, parce qu'il a redémarré. Non, si c'est bon, ok. Et du coup, c'est edit, non? Comment on fait pour rentrer dans l'éditeur?
Oh la vache, eh, c'était, ça fait 20 ans que j'ai pas fait ça, j'ai tout oublié. Alors, tac, tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Article à venir. Ah, pas de bol, le truc est mort. Non, ça c'est autre chose. Alors, call, cat, chain, mais ça c'est toutes les commandes. La liste. Ah oui, c'est liste, ok. Donc voilà, en fait, tout le code il défile comme ça. Ça va être chiant si jamais il faut le, si jamais il faut le réécrire, le récupérer comme ça pour. Et du coup, règle de ce jeu génial. Oh la vache, putain, les mecs, non, sans déconner. Alors vous, vous l'avez peut-être pas entendu, mais moi j'ai eu du son. Ça fait mal. Ah oui, c'est vrai que par défaut, si on fait rien, il avance jusqu'à la. Ok. C'est précis comme à chaque fois qu'il bouffe une pastille, j'ai un son. Raté. Ok, oui, donc j'ai le son habituel de la mort. Ok. Une autre, non. Non, 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 c'est. Comment on fait un reset sur ce truc-là déjà? Non, ça c'est moi ça. Couillon. 5. Ok, voilà. Oh la vache! Ah ouais, donc je suis pas prêt de. Ok. Bon, et ben voilà. Ah ouais, donc si je dois récupérer la source comme ça, je suis pas rendu quoi. Mais ouais, l'idée, voilà, c'est de récupérer ce truc-là et de me dire, est-ce qu'on peut pas le refaire dans un moteur de jeu open source? Ça, c'est un peu. C'est peut-être ambitieux. N'étant pas développeur. Mais. C'est vrai qu'on a quand même pas beaucoup de. Ça, tout ça, c'est les mots-clés du Basic Amstrad. Voilà! Arrête à ça, ça s'arrête là. Mais c'était rigolo, mais putain, j'avoue que j'ai pas eu ce que. Parce qu'après, c'est quoi du coup? Non, ça c'est encore autre chose. Parce qu'on extrait les fichiers, mais en fait le problème c'est que du coup.
peut pas les convertir, c'est un peu dommage. Ok. Ah, les disquettes de l'Amstrad CPC, ça ressemblait à ça. C'est quelque chose, hein. Et donc ça, ça faisait 178 kilos. Let's go. Voilà, voilà. Bon. Qu'est-ce que... Attends, j'avais dit que ça allait être décousu ce soir. Hein. Pas se mentir, j'ai quoi? Ah oui, j'ai ça toujours. Ah, bah tiens, est-ce qu'on pourrait tenter de reprendre des choses là-dessus? Puisque j'avais des... Parce que ça, c'est une interface qui permet d'interagir avec Olyama pour pas avoir à utiliser Olyama en ligne de commande comme je le fais à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'ouvre un truc comme ça, et après, je fais ça. Et ça m'emmerde un petit peu. Donc, l'idée, c'est d'avoir un truc un peu plus... Voilà. Un petit peu plus complet. Le problème, c'est que du coup, ça se fait avec du Python. Alors, soit j'arrive à le lancer sous Windows directement, parce qu'on a vu que j'avais j'ai un Python... Python 3.11 d'installer sur PowerShell. Donc je pourrais éventuellement le tenter, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Et sinon, l'idée, c'est de le lancer depuis WSL2, mais qu'il aille taper le Olyama qui est dans Windows. Et j'avais déjà expliqué que j'avais des soucis avec ce truc-là. Mais... Typiquement, j'ai failli réussir à le faire sur mon PC de boulot Windows 10. Donc je me dis que ça doit pas être si con que ça à faire sur Windows 11, surtout maintenant que j'ai une version à jour. Parce que la première fois que j'avais essayé, en fait, j'avais laissé la... J'étais en 22 quelque chose, et depuis qu'on est en 23, on a des capacités réseau supplémentaires sur WSL2. Donc du coup, je me dis que peut-être... Voilà. Parce que là, actuellement, il est où? Listening, j'ai un peu trop de listening dans l'histoire. Il est là. 11.434. Donc, il écoute là. Alors, autant, si je fais ça, il me dit « Olyama is running », que là, hein, et si je fais slash API, je prends rien du tout, je sais pas pourquoi, mais bon, il est là, il est running, ce qui me va bien, mais bah en fait, si je tente de faire ça, donc ça ne marche pas. Ça, c'est normal, parce qu'en fait, par défaut, le WSL2, il est naté. Donc en fait, si je regarde mes IP, j'ai mon 127.0.0.1 qui est indépendant de mon... Comment ? De mon IP, et ça, c'est pas mon IP à moi. C'est l'IP de machin. Et derrière, j'ai Docker 0. Et là, j'ai encore un autre bridge. Et je sais pas d'où ça sort, ça. Bon, par défaut, de toute façon, je sors tout en 172.26 machin. En slash 20, ici. Donc, c'est cette IP, c'est cette interface-là. Et... Mais même si j'essaye de taper sur cette IP-là, quoique, attends, si je fais ça... Non, ça ne marche pas.
Et si je sors le mode mirror? Ah, donc voilà, avec le mode miroir, le 127.0.0.1, il est partagé, identique entre les deux. Donc ça peut être intéressant parce que du coup. Ouais, là ça marche pas. Et du coup, si je fais le miroir, c'est quoi ça? Voilà, donc moi j'avais pas le 22H2 et j'y suis depuis parce que je suis même au 23, je crois. Et donc je peux faire un. Ouais, ok. Ah! IPv6 support! Oh, le truc qu'il savait pas faire! Impeccable! Sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait la fin de la migration du blog, où il nous manquait l'IPv4 sur la VM Proxmox, où j'avais que de l'IPv6, où je pouvais pas faire de SSH direct sur la VM, parce qu'il supportait pas le. Ah. Ok. Et en plus, potentiellement, depuis le local network. Bon, ça, on s'en fout un peu pour l'instant. Mais. Oh. Oh, mais j'avoue, ça va être bien ça. Autoproxy. Oh! Oh mais je vous jure, ça, quand je vois la gueule des configurations au boulot que j'ai dû faire pour que le WSL2 fonctionne avec le proxy Enedis. Oh mais sans déconner. Oh. Ben on va tenter ça, hein. On va tenter ça. Bon, par contre, je sais qu'il faut éteindre la bécane. Du coup. Ouais, vas-y, ferme. WSL-shutdown. Donc là, je fais un WSL-L-V, je crois. Stop. Ok, parfait. Du coup. Alors, il est où ce fichier? .wsl config. Ok, donc si j'en ai un, j'en ai pas. J'ai pas l'impression. Non, donc on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tiens, 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 machin, user profile. Ok, et donc il suffit de mettre. Une section WSL2. Et là, on rajoute le network mode, networking mode, ça. Hop, égal mirror. Et donc là, voilà, Windows. C'est
Ah, c'est pas Windows, je fais des conneries. Utilisateur, WAM. Et il s'appelle .wsl config. Du coup, maintenant. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le faire comme ça, mais c'est pas grave. Il va quand même me le faire. Voilà. Et donc là, ah ouais, j'ai l'IPv6, je récupère l'adresse IP. Oh! Mais donc du coup. Bah là, ça marche. Oh putain! Comment ça va nous faciliter la vie pour faire plein de trucs? Parce que du coup. Oh! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment on peut faire? Comment on peut démarrer là-dessus? Il nous fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais un pip install. Dans ce cas-là, on peut faire un. Oui, pardon. Source.vonv bin activate pip install open web UI. Oh, bah c'est bien ça. Ah, merde. Ah oui, là, j'ai pas la bonne version de Python, du coup. Oh, quel enfer. Oh, bah ça va pas m'aider, cette histoire. Bon, Docker. Qui est démarré, parfait. Hop, je mets des gros doigts. Ok, j'ai plus de container. Donc du coup, je fais quoi? 3080-80. Alors. Allez, celle-là, on va la tenter. Ça me paraît un peu violent. Ah si, je vois. Ok. Je vois, je vois. Alors, du coup. Ouais, d'ailleurs, tiens, j'ai eu une surprise là-dessus avec le au PC du boulot. En fait, je sais plus pourquoi, j'avais tenté d'utiliser Oliama dans le WSL2. Et quand j'ai voulu l'installer sous Windows après, il voulait pas démarrer parce que le port était déjà en écoute. Parce que par défaut, en fait, à l'inverse du fait que ça marche pas depuis l'intérieur de Windows, enfin depuis l'intérieur du WSL2 vers Windows, à l'inverse depuis Windows vers le WSL2, en fait, il expose les ports qu'on ouvre dans Linux. Comment? Oh la vache, c'est lourd, hein. Ok, bon. Je vais y arriver. Ok. Et donc là, on a up 8 secondes. Donc oui, ce que je disais, du coup, comme j'avais le Oliama démarré dans WSL2, il ouvrait le port 11 machin, et quand j'essayais de lancer la version Windows, il voulait pas démarrer parce qu'il me disait que le port était déjà ouvert. Un peu bête. Et là, il va falloir que je fasse d'autant plus attention maintenant à partir de ça. Bon là, comme c'est que du local, on s'en balèque. Alors par contre, donc du coup, normalement, si je fais un http 2.//127.0 et c'est le port 8080. Quoi, c'est pas 8080? Ah
Ah, c'est port 3000. Ok. Autant pour moi. Ça. J'ai décroché un contrat. Réglage du GPS. Simone. Allez, c'est parti mon petit. Arrimage de la remorque. Ajustement des. Ah, d'accord, ok. Je suis connecté avec de la merde. D'accord. Alors du coup, sélectionner un modèle. Aucun résultat trouvé. Ah. Alors je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? Alors Houston, on a un problème. Il cherche pas à se connecter au. Alors interface français. Alors français Canada déjà par défaut. Prompt système, on s'en fout. Paramètres admin. URL webbook, il n'y en a pas. Connexion. API Oliama host.docker.internal. Ah oui, on sait peut-être. Ouais, bah oui, voilà. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup? C'est peut-être pas encore parfait cette histoire. Ah oui, parce que du coup, il m'a mis quoi? Chien ad host. Non, mais en fait, il aurait fallu que je mette le network host. Ah oui. Bon. Faire ça, je vais faire ça et en fait, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ah, discarded. Ah. Il est toujours en train de démarrer, du coup, le gaillard. Application startup complete. Web UI, Oliama, get all model. D'accord. Whisper device type CPU, donc ça on voit qu'il y a quand même des petits problèmes là-dedans. Ah, il embarque un petit mini LM pour les embeddings, d'accord. Bon.
Ok. Du coup, est-ce que si je rafraîchis, ça va fonctionner? Non. Pourquoi? Parce que du coup, il écoute sur le 80-80. Eh oui. Quel enfer. Ah voilà, ok, donc là c'est bon. Là on voit les modèles que j'ai déjà. Ah, celle-là, elle va être violente. Hop. Oh! Ah bah en vrai, d'accord. Donc apparemment, il y a un module qui s'appelle P-Game qui permettrait de faire des trucs comme ça. Ok. Et du coup, il nous donne l'explication d'art. Putain, la vache. C'est vrai que, mine de rien, on a potentiellement une rapidité de truc. Alors, par contre, c'est P-Game. Si c'est. Ok. Alors, juste pour rigoler, on va voir si ça peut marcher. Salut, Spectre! Bon, ça va. Ça va, ça va. La journée, la soirée se passe un peu, bon, bien. On va dire ça comme ça. Puisque j'arrive à. Grâce aux mises à jour, on a fait quoi? On a fait débugger l'histoire du certificat SSL où au final c'était juste les services qui n'étaient pas redémarrés. Le Ménopède, bon, je vais ça récupérer les sources, ça va être un peu compliqué, mais je le ferai plus tard. Et là, je viens de. Je cherchais à. J'avais déjà expliqué par le passé, j'avais des soucis pour dire depuis WSL2, communique avec un service qui est démarré sous Windows, puisque j'ai le Olyama qui est. Alors que vous voyez là, ici. Qui est planqué derrière, qui est du coup sous Windows pour pouvoir exploiter la carte graphique. Et comment? Et je voulais pouvoir déployer notamment une interface pour Olyama, parce que lancer le truc dans PowerShell en ligne de commande, c'est bien, c'est rigolo. Mais voilà. Et donc en fait, bah, comme j'ai mis à jour Windows il y a quelques temps maintenant, en fait, WSL2 a accès à un mode réseau qui s'appelle Miroir. Et du coup, le WSL2 n'est plus NAT, mais voit directement le réseau de Windows. Et ça permet aussi, notamment, d'être compatible IPv6. Ce que ne fait pas le mode NAT. Et du coup, le 127.0.0.1, il est unifié directement avec celui de Windows. Donc, il n'y a plus de problème de pare-feu, de quoi que ce soit, de communication à travers le NAT ou je ne sais quoi.
on a directement accès à tout ce qui écoute par défaut, partout. Et bon, bah là, malgré tout, le par défaut, là, comme quand je déployais l'application, comme le Open Web UI, je le démarre dans Docker. En fait, il n'arrivait pas à contacter le 127.0.0.1, entre guillemets, du PC. Parce qu'il était dans un réseau isolé, évidemment. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément forcé à dire « Coucou, network host ». Par chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un network host dans Docker, ce qui est absolument pas recommandé, hein, on est d'accord. En fait, il fait pas de publication de port, donc il démarre directement sur le port du conteneur, enfin de l'application. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, j'ai une jolie interface. Enfin, j'ai une jolie. Oui, bon, ça va. J'ai une interface qui me permet d'avoir d'avoir un historique, de créer des espaces de travail, de créer des conversations, etc. Et là, pour la blague, voilà, j'ai demandé à Llama 3.2 de me créer un petit bout de code en Python pour faire un snake, qui est la version basique du Menoped telle que je l'ai présenté tout à l'heure. Et où Menoped, en fait, on est dans un espèce de labyrinthe où il faut bouffer toutes les pastilles qui sont dans le labyrinthe sans se bouffer la queue. Et du coup, je voulais le tester pour voir si ça marche sans... Parce que bon, c'est rare que ça fonctionne du premier coup, mais juste pour la blague, je voulais le tester. Si ça marche pas, c'est pas grave du tout. Hop. Et je crois que les deux autres modules, si c'est random, de toute façon, on s'en bat les couilles. Voilà. Est-ce que ça marche? Il n'y a qu'un seul module, d'accord. Ok. Oula, la latence par contre. Alors par contre, d'accord, on ne grossit pas. On ne grossit pas en mangeant la pastille. Ah, ah. Bon, ça, c'est pas si grave, en fait. Il suffirait... Parce que je crois que j'ai vu dans le code, mais... Ok, d'accord. Donc, en Python, on a... via Pgame, on a une bibliothèque qui permet de... oui, ferme-moi ça. Ah oui, ça passe par SDL derrière. D'accord. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, j'ai vu à un moment donné, il dit, voilà, si le truc est supérieur à 3, on supprime le machin. Et en fait, il suffirait de... Là, c'est écrit en dur. Alors, on va voir. Juste pour la blague, là, je vais lui demander, je vais lui dire, je viens de tester, mais le serpent ne grossit pas. En mangeant les fruits. Je trouve le problème. On veut lui demander directement. En fait, dans l'esprit, il suffit. C'est juste ici où en fait, faudrait modifier la taille du truc. Où en fait, il faudrait que ça grossisse. Enfin, ce chiffre-là doit changer, en fait, parce que là, il bloque à 3 en permanence. Et du coup, ça n'a pas grand intérêt.
juste pour rigoler. Voilà. Voilà, là il a pleuré un petit peu plus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le code. On va le copier. On va voir si... Alors manifestement, il a quand même fait des différences de... Il y a quand même des vraies grosses différences de code. Oh là! Ah ben ça marche pas. Oh, il détecte même pas quand on passe à travers, dis donc. Oh là là. Là 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 là. Non, ça ne marche pas bien tout ça, donc ça demanderait un peu de boulot en plus. Mais bon, il y a quand même une base qui est qu'à 80, on va dire à 90-95% fonctionnelle. Et ça s'est fait en 2 minutes 30, même pas en quelques secondes. Bon, après, avec ma carte graphique à moi, comme d'habitude. Hein. Donc, bon. On va pas se mentir. Ça permet quand même de gagner énormément de temps. Et du coup, je sais pas si ça, je serais capable de me le foutre dans un... Si je veux... On peut télécharger, là automatiquement. Il a tagué automatiquement le truc, d'accord. Putain la vache. Bon là on a les contrôles, longueur du contexte, on va pas y toucher. Je sais pas ce que c'est ça. Bon le système prompt, on connaît. Enfin, c'est pour être sûr de... C'est quoi ça? Télécharger des... Ah, si j'avais un modèle type Liava, je pourrais lui demander de d'écrire l'image ou de... Ah oui, alors ça, c'est très rigolo. Alors, je vais faire une nouvelle conversation. On peut faire... Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire entendre. Mais en gros, on peut... Oula! Oula, oula! Alors là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Audio, merci. Moteur de reconnaissance vocale. Non, pas en voix automatique instantanée après transcription, on s'en fout. Réponse, machin, définir la voix. Voilà.
C'est affreux. J'ai entendu mieux que ça, je ne sais pas pourquoi il me... est-ce que je pourrais tenter? Est-ce qu'il y a un truc qui me permet de le... Là, si je fais ça, et que je fais ça... Non, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qui veut me dire que la source n'est pas active, c'est ça? Ah, ok, peut-être parce que il faut que je fasse comme ça. Bonjour. J'y vais bien. Merci pour la question. C'est toujours agréable de discuter avec quelqu'un qui est intéressé à monde bien-être virtuel. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc là, normalement, vous avez dû entendre quelque chose. Ça devait pas être beau à entendre. Et je sais pas si le son était assez fort ou pas. Ok. Comme c'est la première fois que je le tente, voilà, j'étais pas sûr. Le problème, c'est que c'est juste dégueulasse, en fait. C'est juste affreux. Mais c'est bizarre parce que il me semble j'avais pas un truc où j'ai viré l'extension. Non, ça c'est encore autre chose. Page Assist, voilà. Alors lui pour le coup c'est genre c'est là. Et donc lui. Donc là c'est pareil, mais en gros, enfin c'est pareil. Ça se veut être pareil. C'est-à-dire contacter Olyama, mais potentiellement être capable de faire du rag, c'est-à-dire pour le coup interagir avec le contenu de la page qu'on a en cours. Et on est capable aussi de lire. Mais là, pour le coup, lui, quand je le faisais tester, le résultat était bien mieux. Donc du coup, on va remettre là, on va refaire la même chose. Je vais faire comment vas-tu aujourd'hui. Bon là, ce qui est rigolo, c'est que ça va très vite. Ça, c'est pas dur. Mais là, en même temps, là, il nous met un truc de base comme ça, il nous dit je vais bien, etc. Puis là, il nous dit je suis un modèle de langage entraîné par la machine, donc je n'ai pas de sentiments, machin, etc. Ouais, pourquoi pas. Et comme pour... comme pour WebUI, on a un truc, mais là... J'y vais bien. Merci pour la question. J'y suis un modèle de langage entraîné par machine. Donc C'est la même. j'ai pas de sentiments ou d'émotions comme les humains. Mais j'ai toujours plaisir à discuter avec toi et à t'aider avec tes questions ou problèmes. Et toi? Comment vas-tu aujourd'hui? J'y vais bien. Merci pour la question. Oula! J'ai suis Non, un mais c'est modèle de bon. langage. Non, je vais le couper pour vous. J'ai cliqué deux fois, donc du coup, il est en train de le relire. Ah, quel enfer. C'est bizarre parce que la dernière fois que je l'avais testé, j'avais une bonne voix en fait. J'avais pas un truc de merde. Ah mais là l'embedding il me reprend les trucs. Ah ouais non mais. Ouais bah on va le charger. S'il faut charger, on va charger. Yama. Cool. Dynamic-embed-texte. Ouais, on va faire ça, puis on va voir ce que ça donne.
Donc là, la voix s'est passée. En termes de volume, je sais pas ce que ça donnait, hein. Parce que moi, comme je l'ai dans le casque, et que je sais par exemple que bah, le volume de la musique, il est beaucoup plus élevé dans mon casque que ce que vous avez, je savais pas trop ce que ça donnait, sachant que là, moi, ça m'a un peu gueulé dans le truc, on va pas se mentir. Fermons ça, on va rouvrir. Là, si je fais ça. Nomic and bed. Okay. On va save. Ah, c'est ça, punaise. Speech recognition. Français, language. Français. Synthèse vocale. Sélectionner une voix. Si je fais français France. J'ai quoi? Hortense Desktop, c'est quoi ça? Les conversations et fournir des informations utiles, donc je ne ressens pas les émotions ou les fatigues comme un humain. Mais j'ai l'impression de faire son travail efficacement. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Avez-vous une question ou besoin d'aide sur un sujet en particulier? Bon, ça fait encore un peu... ça fait très Joshua, très Wargames. Mais avec une voix de femme. C'est pas la folie. Mais par contre, comment ça se fait qu'on peut pas, on n'a pas ces contrôles-là Où est-ce que je vais? Parce que j'avais mis ça. Ah, j'avais pris Hortense Desktop, et si ça se trouve. Conversation. Réponse de lecture automatique, non. Parce que du coup, si je refais ça et que je le retourne. Non, ça marche pas. Hein. Ça marche pas du tout, en fait. Hein. Ça ne marche pas du tout. Bon, en tout cas, je suis content parce qu'a priori, du coup, j'ai de quoi. J'arrive à vous balancer l'audio du bureau quand il y a besoin. Parce que j'avais testé, c'était pourquoi? Bah, c'était justement pour l'histoire du rejeu de la recréation de Joshua, mais en mode Olyama local, et que du coup on va pouvoir faire cette fois. J'ai essayé de capturer l'audio du Windows Terminal et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Il y a une fonction en bêta dans OBS pour capturer l'audio d'une fenêtre. Mais ça n'a pas voulu fonctionner pour moi. Et du coup, bah c'était un peu compliqué, quoi. Où est-ce que je vais l'avoir mis? Joshua local, il est là. Ok. Et du coup, j'avais tenté de... C'est e-speak. Non plus. Eh ben, Bon, bah, j'ai plus. De toute façon, en plus, j'avais des... En termes de son, j'avais des problèmes. C'était un peu chelou. Ça avait tendance à... Ah ouais, pourtant, il est là.
Ah ouais, c'est un peu dégueulasse, hein. Mais là, normalement, ça devrait marcher. C'est ça. Bonjour, professeur Falcon. Comment puis-je vous aider? Et en fait, quand on le lance, on a des petits grésillements. C'est un peu dégueu, c'est un peu cracra. Mais bon, voilà. L'idée, c'était de reprendre ça. Il est déjà 23h, donc je pense que ça va être tout pour ce soir. Est-ce que... pouf, 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 je suis en train de regarder. Ouais, donc... Ça, du coup, je vais pouvoir le reprendre, c'est cool. On a une interface pour Olyama si on a envie de jouer un peu avec Olyama. On peut plus facilement interagir avec Olyama maintenant qui est sous Windows depuis le WSL2. Ça, c'est un bonheur. D'ailleurs, alors pourquoi il me dit Olyama? Ah, j'ai que les points exe qui apparaissent. Ok, d'accord. Ok. Ouais, donc du coup, il faudra continuer d'utiliser les trucs là. Ouais. Bon. J'ai une interface, j'ai tout ça. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Le replay de tout ça sur YouTube ce week-end, comme d'habitude. Ça veut toujours pas marcher. Bah non, ça veut toujours pas marcher. C'est pas grave, ça a pété. Alors du coup, hop, on va... Ça va être ça. Ça va être ça. Comme je disais, le replay sur YouTube... Alors au mois de novembre, je vais encore être absent 2 semaines, mais... non, si, c'est ça, c'est 2 semaines. Mais pour vous, quoique c'est pas 2 semaines en fait, hein, c'est pas 2 semaines, mais potentiellement il n'y aura qu'une seule semaine d'interruption. Parce que en termes de calendrier au mois de novembre... Je pars le 11, c'est ça, et je vais rentrer le 21 ou un truc dans le genre. C'est ça, j'ai une petite dizaine de jours. Du coup, je serai là le 8, je serai là le 22, il n'y a que le 15 où je serai pas là, le 15 novembre, donc dans 3 semaines. Hein, voilà. Parce que bah, je serai en vacances en Bretagne, donc ce sera compliqué de tenter un truc même avec le PC Linux. Même si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, parce que ça me permettrait d'avoir un truc où j'ai une espèce de setup nomade, on va dire ça comme ça, pour le stream. Et sinon, plus près de nous, le week-end prochain, enfin, le vendredi prochain, bah, comme je disais, j'ai bien envie de tenter le repaste. Donc je démonte l'ordinateur portable... mon ordinateur portable Linux pour lui refaire la pâte thermique. Faut juste que je ressorte la seringue, par contre. Parce que quand j'ai changé le bureau, ce qu'il y avait dans le tiroir de l'ancien bureau que je n'ai plus, parce que je n'ai plus de tiroir, j'ai tout foutu dans un sac. Et du coup, faut que je fouille là-dedans pour retrouver la seringue. Sinon, faut que j'en rachète une. Ce sera peut-être l'occasion de peut-être de poser la question, de savoir quelles sont les pâtes thermiques que vous utilisez. Et il faut que je regarde, parce que normalement, pour la blague... Non ? Ah, j'ai retrouvé... Oui, non. Ça, c'est un peu... Chiant que ce soit un peu abîmé, slash pété, faudrait que je... Le truc là, c'est déboîté, c'est un peu pénible. En fait, le truc est enchâssé là-dedans. La vis, elle est enchâssée là-dedans, normalement. Je l'ai déboîté comme un demeuré, et maintenant, pour un rien, ça se démonte. Ça, c'est le support pour le téléphone, mais...
The vénérable trépied. En aluminium. Et lui, je sais pas trop. Hop. Parce que... Alors... Donc ce truc-là, il est plus vieux que moi. Hein. C'est un... c'est un vieux truc. Donc ouais, pas mal... ça doit être de l'alu, hein, je pense. C'est soit de l'alu, soit de l'acier vraiment pas cher. Mais quoi qu'à un moment donné, quand je l'ai nettoyé, il était un chouïa. Non, c'est de l'aluminium. Hein. C'est de l'aluminium, donc c'était pas de la merde. Et comment? Et donc c'était un trépied pour appareil. C'est un trépied pour appareil photo, hein, ni plus ni moins. Qui est donc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Notification. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'application n'a pas pu accéder au matériel vidéo. Vous me voyez encore? Bah ouais, pourtant. Je sais pas encore ce que c'est que cette histoire. Ah non, 20h52. Ah oui, c'est juste avant le début du live, il voulait pas... Ok, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai un pied... Oula. Ok, qui... D'accord. Bon, ça, voilà. Ça, comme je dis, hein, je vais avoir 42 ans dans un mois. Ça date un chouïa. Et donc ce truc-là, qui normalement peut aussi se tourner. Normalement, il doit y avoir moyen. Voilà. Hop. Et là, j'ai la manivelle. Et donc, je peux encore relever ce truc-là. Je peux aller assez haut quand même, hein, mine de rien. Et donc... ah oui, il y a ça aussi. Il faudrait que je répare. Parce que c'est censé être collé et c'est plus collé. Mais en gros, voilà, j'ai de quoi... Alors, le truc, c'est que quand je mets le bureau, il arrive là. Ouais, si, voilà. Donc du coup, j'ai un trépied qui me permettra de filmer l'ordi portable. De filmer pendant que je bricole l'ordi. Il y aura peut-être potentiellement le... La webcam en plus. Le problème, c'est que la webcam, elle sera sur le bureau et que ça risque de trembler un peu. Ça me plaît moyennement. Donc, c'est pour ça que je cherche à... Et puis, si vraiment, on veut faire des gros dégueulasses, hein. Ce truc-là se dévisse. Et donc, je peux visser... La perche. Alors, je vous cache pas que j'avais fait un truc dans le genre avec la perche à selfie de la GoPro quand j'avais filmé le... Comment ? Quand j'avais filmé, je vais y arriver, le démontage du Chromebook. Vidéo qui remonte à... Trop loin maintenant. Et donc, ouais, vous voyez, on peut faire ça comme ça, du coup. Et donc je peux filmer, je peux avoir un truc qui filme vraiment au-dessus pendant que je bricole. Alors ça demande quand même un peu de... Parce qu'après, une fois que le téléphone... Ah ouais, alors par contre ce truc-là, en vrai, il faudrait que j'échange avec l'autre support. Faudrait que j'échange avec le support. Ah mais non, parce que l'autre support, il est en train de... Bah oui, il me sert pour la... Ah merde. Bon. Bah écoutez, je... Oh, je trouverai. Je trouverai. Bref. Donc voilà. Donc c'est... Bon, pour la blague... J'ai de quoi pouvoir filmer plus que tranquillement le démontage de l'ordinateur portable. J'essaierai quand même d'avoir un... Ça, c'est quelque chose que je vais regarder ce week-end, parce que j'essaierai d'avoir plusieurs points de vue. J'essaierai d'avoir... Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je vais y arriver. On y arrive. Hop. Voilà, parce que trop le refermer, ce truc-là, pour le ranger, c'est quelque chose. Hein. Hop.
puis après, de toute façon, on va... C'est comme ça, sera plus simple. Voilà. Ah, et après, j'ai plus qu'à replier. Et après, il n'y a plus qu'à refixer les trucs. Donc ouais, le week-end prochain, voilà, on va s'amuser avec ça. Enfin, s'amuser avec, non pas le trépied comme je viens de le faire, mais avec mon ordinateur portable, comme je le disais au tout début. Et on va lui refaire sa pâte thermique. J'essaierai... On essaiera quand même de faire un truc avec des mesures. Dis donc, on voit bien le début de calvitie, là. Hein, enfin, le début. Enfin, donc ça traîne, hein, mais... On essaiera de faire les mesures de température avant-après, histoire de comprendre à quel point c'est compliqué. Et voir ce qu'on gagne exactement à refaire la pâte thermique. On verra dans quel état elle est, parce que mine de rien, je l'ai jamais démonté. Hein. Celui-là, je l'ai jamais démonté depuis que je l'ai depuis 2018. Et la seule fois où je l'ai ouvert pour... les deux seules fois, non, ben, la première fois que je l'ai ouvert pour c'était pour j'ai tenté de me dire oh bah tiens on va passer au SSD en NVMe et j'ai pas de port M2 dessus tellement il est vieux et la carte mère c'était marqué décembre 2015 dessus, donc voilà. On verra dans quel état elle est la carte. La pâte thermique, à mon avis, ça va pas être glorieux. Même si c'est du Lenovo, hein, c'est de la bonne cam, mais il est temps de faire le ménage là-dedans. Et ce sera l'occasion, du coup, de tester. Et on fera le stream en mode debout. C'est tout. On testera quand même le stream en mode debout. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, en fonction de ce que vous allez faire. Et puis on se retrouve au plus tard vendredi prochain. Ciao ciao.